EA Games. Rien dans le ciel étoilé ne laissait prévoir que des choses étranges et mystérieuses allaient bientôt se produire. Hagrid, vous voilà enfin. Où avez-vous déniché cette moto ? L'ai emprunté, professeur Dumbledore. Vous n'avez pas eu de problème ? Non, monsieur. La maison était presque détruite, mais j'ai réussi à le sortir de là. Niché dans le ballot se trouvait un bébé. Harry Potter, le survivant. Harry passa les 11 années qui suivirent cette étrange nuit chez son oncle et sa tante, les Dursley. Puis vint un jour qu'il ne devait jamais oublier. Harry reçut une lettre qui l'invitait à poursuivre ses études au collège Poudlard, école de sorcellerie. Je t'avais prévenu, hein, Harry ? Je t'avais prévenu que t'étais célèbre. Professeur Quirrell ! Harry, je te présente le professeur Quirrell, qui sera un de tes maîtres à Poudlard. Potter, vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureux de vous rencontrer. Quelle matière enseignez-vous, professeur ? La défense contre les forces du mal. Mais vous n'en avez pas besoin, Potter. Vous êtes venu chercher vos fournitures ? Je dois moi-même acheter un livre sur les vampires. Faut y aller. Nous avons beaucoup de choses à acheter. Viens, Harry. Trois vers le haut. Deux en travers. Bien. Recule-toi, Harry. Bienvenue sur le chemin de traverse. Il n'y a plus que ta baguette à acheter chez Ollivander. Il faut aussi que je t'offre un cadeau pour ton anniversaire. Il y a quelqu'un ? Bonjour. Ah oui, oui, bien sûr. Je pensais bien que j'allais vous voir bientôt, Harry Potter. Vous avez les yeux de votre mère. Je me souviens quand elle est venue acheter sa première baguette. 25 cm 6, souple, rapide et bois de saule. Excellente baguette pour les enchantements. Votre père, en revanche, avait préféré une baguette d'acajou. Enfin, quand je dis que votre père l'avait préféré, en réalité, c'est la baguette qui choisit son maître. Bien, monsieur Potter, si nous commencions, si vous voulez bien me suivre... Jetez un coup d'œil, monsieur Potter. Si vous trouvez une baguette qui vous plaît, essayez-la, pour voir si vous lui plaisez aussi. De l'être, ventricule de dragon, 22 cm 5, flexible. Monsieur Potter, montez sur cette plateforme pour essayer votre baguette. C'est curieux, ça ne va pas du tout. De l'être,
ventricule de dragon. 22 cm 5. Flexi. Bois de houx et plume de phénix. 27 cm 5. Facile à manier. Bois d'ébène et crin de licorne. 21 cm 25. Très souple. Bois d'ébène et crin de licorne. Bois de houx et plume de phénix. 27 cm 5. Facile à manier. Étrange. Vraiment étrange. Excusez-moi, mais qu'est-ce qui est si étrange? Je me souviens de chaque baguette que j'ai vendue, Monsieur Potter. Ah, le phénix sur lequel a été prélevée la plume de votre baguette a également fourni une autre plume à une autre baguette. Il est très étrange que ce soit cette baguette qui vous est convenue, car sa sœur n'est autre que celle. Qui vous a fait cette cicatrice au front. Oui. C'est curieux, vraiment. Souvenez-vous, c'est la baguette qui choisit son sorcier, pas le contraire. Je crois que vous avez un bel avenir, Monsieur Potter. Après tout, celui dont on ne doit pas prononcer le nom a fait de grandes choses. Terribles, certes, mais de grandes choses. Allez récupérer le livre de sorts qui se trouve là-bas. Il vous sera très utile par la suite. Au pain grillé. Bah, à l'herbe. Par ici, Monsieur Potter. Affreux, au vomi. Bah, au pain grillé. À la noix de coco, au pain grillé. Bah, au cérumen. Bravo! Très bien! Ah, vraiment très bien! Beau travail, Monsieur Potter. Lorsque vos pouvoirs magiques augmenteront, vous pourrez lancer des sortilèges de flipendo plus puissants.
voulez bien me suivre? La sorte au chocolat. Ces trois grands boucliers peuvent être retournés à l'aide du sortilège de Flipendo. Retournez-les dans le bon ordre pour ouvrir la porte. Il ne faut pas toujours chercher la réponse en face de vous. Avant de continuer, il serait sage de récupérer le folio Brutti. Peuvent être très gênants. Essayez de les renverser avec un Flipendo. Puis ramassez-les et enfermez-les dans les cages.
travail, Monsieur Potter. Ce livre vous permettra de lancer des sorts plus puissants. Voici une astuce tirée du livre, rien que pour vous. Concentrez la puissance dans votre baguette, mais prenez garde à ne pas trop concentrer votre sortilège, car ça peut être dangereux. Je voudrais que vous concentriez le Flipendo avant de le lancer. Comme ceci. Flipendo! Monsieur Potter. Godric Gryffondor, cofondateur de Poudlard, donna son nom à l'une des maisons de l'école, Moyen Âge, dates inconnues. Si vous voulez bien me suivre. Hey, Harry. Bon anniversaire, Harry. Elle est magnifique. Quel est son nom? Elle s'appelle Edwige. Et elle est à toi. Merci, Hagrid. On ferait mieux d'y aller maintenant. Le Poudlard Express part bientôt. Il faudrait pas que tu le manques. Le train ralentit et finit par s'arrêter. Ils suivirent Hagrid jusqu'à la rive d'un immense lac noir. D'un même mouvement, les barques glissèrent sur l'eau du lac dont la surface était aussi lisse que du verre. Tout le monde restait silencieux, jusqu'à ce que... Oh, c'est du vent ! Un par un, tous les élèves de première année furent répartis dans leur maison. Et qu'advint-il ? De Harry Potter? Pas Serpentard! Pas Serpentard! Pas Serpentard? Tu es sûr? Tu as d'immenses qualités, sais-tu? Je le vois dans ta tête. Non? Très bien. Si tu es sûr de toi, il vaut mieux t'envoyer à Gryffondor! Hé Harry! Par ici! Salut! Je m'appelle Ron Weasley. Je suis à Gryffondor, moi aussi. Pas très surprenant. Tous mes frères sont à Gryffondor. Dis! Tu sais pourquoi le professeur Dumbledore a interdit l'accès au troisième étage? Je ne sais pas du tout. Venez, on doit suivre ce préfet. C'est bizarre. D'habitude, il nous explique pourquoi on n'a pas le droit d'aller dans certains endroits. Il aurait au moins pu nous le dire à nous, les préfets. Ce préfet, c'est Percy, mon autre frère. Combien de frères as-tu? Beaucoup trop. Ah, au fait, je m'appelle Hermione Granger. Et vous? Je m'appelle... Ron Weasley. Salut, Ron. Tu as quelque chose sur le nez? Hein? Harry Potter, je présume? Je sais tout sur toi. Attention, Ruzard arrive. On ferait mieux de partir.
Suivez-moi, les Griffons d'Or. Ne traînez pas. Viens, Harry. On ferait mieux de suivre Percy dans la salle commune de Griffons d'Or. Allez, dépêchez-vous, s'il vous plaît. Par ici. C'est le chemin le plus court pour se rendre au dortoir. Ah, au fait, méfiez-vous des escaliers. Ils n'en font qu'à leur tête. Suivez-moi, s'il vous plaît. Ne traînez pas. Allez, dépêchez-vous, s'il vous plaît. Par ici. C'est Peeves, un esprit frappeur. Oh, là les petits nouveaux. On va bien s'amuser. Va-t'en, Peeves. Sinon, le baron sera prévenu, et je ne plaisante pas. Il faut faire attention à Peeves. Le baron sanglant est le seul à qui il obéisse. Même nous, les préfets, il ne nous écoute pas. Allez, dépêchez-vous, s'il vous plaît, par ici. Par ici, Harry. Allez, dépêchez-vous, s'il vous plaît, par ici. Allez, dépêchez-vous, s'il vous plaît, par ici. Suivez-moi, s'il vous plaît, ne traînez pas. Groupez-vous ici. Le mot de passe. Vous avez besoin d'un mot de passe pour entrer dans la salle commune. Cette année, c'est Caput Draconis. Caput Draconis. Très bien, mon jeune ami. C'est le bon mot de passe, en effet. Merci, Harry. Caput Draconis. Harry, Fred et George ont ouvert une boutique. On y échange des dragées surprises de Bertie Crochu contre des sortilèges et des trucs déments. Waouh, il faut que j'y aille. Où sont-ils? Passe par cette porte et traverse la salle de lecture. Il y a un portrait de l'autre côté. C'est quoi le mot de passe? Roi de porc! Oh, et attention à Percy. Il déteste être dérangé quand il travaille. Sois très prudent, et tu parviendras peut-être à passer à côté de lui sans qu'il te voie. Il faut absolument que t'ailles voir Fred et George, Harry. Ils ont des choses géniales à échanger. Viens là.
de port. Viens là. Hé hey. Salut, Harry. On se demandait quand tu viendrais nous voir. Voici notre boutique. Jette donc un coup d'œil à notre grand choix d'articles de sorciers et nos marchandises magiques. Tout est à un prix très raisonnable. Tu devras régler tes achats dans la seule monnaie acceptée à Poudlard, les dragées surprises de Bertie Crochu. Pour seulement 10 dragées, tu peux plonger ta main dans ce coffre magique et recevoir une belle récompense. Wow, il faut que j'essaie ça. Ouais, ça a l'air marrant, mais attends d'avoir mis ta main dedans. Jette un coup d'œil, Harry, et si tu veux acheter quelque chose, demande-nous. Des bombes à bouse. C'est combien le paquet de boules puantes? Ça coûte 20 dragées. Rien de tel que les boules puantes pour se débarrasser d'un préfet. Mais je ne t'ai rien dit. Hein? Albéric Grugnon, l'inventeur de la bombe à bouse. C'est combien? Ça fera 30 dragées. Des bombes à bouse, elles valent combien? Ça coûte 20 dragées. Les bombes à bouse font des farces géniales. Mais écarte-toi vite avant qu'elles n'explosent. Combien la bourse à dragées surprise de Bertie Crochu? Ça fera 50 dragées. Carte de sorcier. Chauncey Aldridge. C'est combien le paquet de boules puantes? Ça coûte 20 dragées. Rien de tel que les boules puantes pour se débarrasser d'un préfet. Mais je ne t'ai rien dit. Hein? Tu peux revenir quand tu veux, Harry. On sera là. Qu'est-ce que c'est? Hein? Journée a été longue, Harry. Je suis crevée. Je crois que je vais aller me coucher.